Et nous voici pour le résultat du concours de la FAQ, le concours qui suit la FAQ des 500 abonnés. Et ouais. Ça fait 2 semaines, ça y est. Bah pour vous, ça fait un peu plus, mais nous, on a clôturé le truc mercredi. On a tous vos noms, on va bientôt tirer au sort. On va vous montrer dans les détails ce qu'il y a dans la box. La personne qui va gagner va savoir ce qu'elle va avoir. Et les personnes qui ont perdu... vont savoir ce qu'ils n'auront pas. Voilà. Par rapport à la photo, on va commencer par ça. On n'a pas de photo de nous 6. La personne qui a gagné, si jamais ça t'intéresse vraiment d'avoir une photo de nous dédicacée, bah tu le dis, on se démerdera pour faire ça. Sinon, si ça t'intéresse qu'on te signe chose, une carte Pokémon, un autocollant, je sais pas, on peut tous signer, peu importe, et bah tu nous le diras et il y aura pas de soucis, ce sera avec plaisir. On va commencer par le jeu vidéo. Et c'est un jeu de PlayStation 3, alors j'espère que la personne qui gagnera a une PlayStation 3, sinon on pourra peut-être s'arranger. C'est Little Big Planet, le premier. Le meilleur. Exactement, c'est un très très bon jeu, moi je l'ai sur PS Vita, je l'ai aussi sur PS3 du coup en double, et je vous assure, hein, si vous ne le connaissez pas, c'est un excellent jeu, donc je pense que c'est un must-have de la PS3. Et donc ce Little Big Planet, malheureusement, il n'est pas complet, il y a le jeu en parfait état, mais je ne l'avais pas en double avec nos malheureusement. Pour rester dans la thématique de la chaîne, des cartes promo Magic fournies par Dynamite Game. Les cartes promo, c'est ce qu'on a pendant les petits événements, les tournois FNM, on appelle ça. Mais pas que, un booster de la dernière extension, Amonkhed. Je vois qu'Alès a envie d'ouvrir, calme-toi. Non, j'ai pas envie d'ouvrir, non. Et du coup, on va rester dans la même thématique des boosters. Moi, forcément, je vous ai mis un booster Pokémon. Moi, contrairement à Alès, je suis pas allé sur un booster récent, je suis pas allé sur le dernier. Je suis content de vous offrir un Impulsion Turbo, le Mega Mewtwo, une de mes extensions préférées. Et c'est l'illustration de booster de cette extension préférée. Je me suis dit, je vais mettre un truc que j'aime. On vous met aussi un petit truc vraiment propre à la chaîne. Exactement. Un petit lot à 3 autocollants AES Family. Attention, résiste à l'eau. C'est notre logo, les gens. Alors, c'est cool ou pas? C'est Saran qui les a fait. Ouais, c'est moi qui les ai fait, on s'en fout. Non, c'est important de le dire quand même. C'est du fait, hein. L'autre item, on vous l'avait dit, c'est un film en Blu-ray sous blister. Et c'est un très bon film, à mes yeux. Gravity, alors que toi, tu n'as pas vu. C'est le premier film que j'ai vu en 3D. Et c'est un très bon souvenir. Je l'ai montré à Sandra il y a pas longtemps. Elle a beaucoup aimé. George Clooney, pour moi, il est impeccable, et Sandra Bullock aussi. Donc, si vous l'avez pas vu, c'est de la SF très réaliste. En fait, c'est ça qui est intéressant. Pas de bruit dans l'espace. C'est un film qui se passe beaucoup en huis clos. C'est pour ça qu'il plaît pas à tout le monde. Mais il est vraiment cool. Toujours dans la même thématique que les cinémas post-it. Fallait bien qu'il y ait un film. Et pour moi, c'est un film culte. Donc, Gravity. Et on va finir par le dernier item. Donc là, c'est dans la thématique des vidéos de Sandar. Une pop. Joker de la collection Arkham Asylum. Le plus beau. Le plus beau, ouais. J'aime beaucoup l'esthétique des jeux vidéo Batman. Bah surtout il nous faut pas de Joker pourri comme Suicide Squad. Oui, parce que Harley Quinn pourri comme dans Suicide Squad. J'en veux de faux raccords. J'en veux pas de ces pop là. Ah c'est cacaboude. Le costume est hyper bien détaillé, ouais. Hein. Franchement t'as vu ça? Et franchement je vois pas de défaut en plus sur celle-ci. C'est assez rare pour une pop. C'est vrai que les défauts de peinture, putain, c'est un truc de fou, hein, ils aiment là, bien. Je ne vois pas de défaut. Non, elle est propre. Franchement elle est très très propre. On vous l'offre. Vous avez vu tout ce qu'on vous offrait? C'est plutôt cool je pense. Ça nous fait très plaisir d'offrir ça à l'un de vous, vraiment. On attendra vos retours, bien sûr, hein, si vous pouvez nous envoyer un petit message, une petite photo, ça fera très plaisir. Vous aurez notre adresse qui est inscrite sur cette vidéo, hein, qui va être inscrite ici, tout le reste là du temps où je parle. N'oubliez pas non plus de nous envoyer, ce sera avec plaisir, des photos de vous, pour avoir une espèce de cadre chez nous. Nous, vous nous voyez tout le temps, moi j'aimerais bien avoir des photos, voilà, de chacun de vous, des photos même qui vous mettent en valeur ou pas, c'est pas grave, de toute façon, ça sera pas montré en vidéo, c'est vraiment pour nous, quoi. Ouais, histoire d'être plus proche de notre communauté. Exactement. On va passer au tirage au sort, Alessou. Et nous voici devant le tirage au sort. Nous sommes sur un site qui s'appelle Mini Web Tool. Je sais pas, on a mis 3 heures à trouver un site qui était propre pour faire du tirage au sort. Et on vous lit la liste des participants parce qu'on est des thugs. Oh happy. Yeah. Geek and Fun. Non. Sommet Fer. Surtout pas. Culture de Geek. Jamais de la vie. Alex Amar. Je ne veux pas. Michlakish. Michlakish, il a un nom de merde. En plus, c'est une geek. Par contre, j'adore la quiche Lorraine. Ça n'a aucun rapport. Try and Geek. Ouais. Essaye d'être geek. Christophe le Sauvage. Lui, c'est vraiment sauvage. Carlos Campos. Oui. Kasuke. Floello. Kev Detect, Azazel, Darkness Game, XDPJ Collection, Damien Le Sage, ah pas lui, Aemi, Russandol, voilà, Russandol, Kevin Le Parisien, 1825 Je veux des culs, Sacha Demey, Dark Magica. Et on va tirer au sort, on va appuyer tous les deux sur ce bouton, comment ça s'appelle le bouton, un clic c'est ça, hein, il me semble dans le jargon informatique, clic des souris. On va voir qui a gagné. Tirage au sort et de l'AS Family. 3, 2, 1. Ouais, ça va marcher. 3, 2, 1. Et c'est Culture de Geek qui gagne, content. Bah, je suis pas content que les autres gagnent, hein. Ça, c'est vraiment horrible, c'est genre. Content, les autres, ouais, c'est pas eux qui l'ont eu, c'est cool. Ouais. Non, mais c'est Culture de Geek, c'est cool, très content. Mais il y a une chaîne YouTube, au top, ça aurait fait plaisir que ce soit n'importe qui d'autre.
Mais bah, je suis content pour toi. Je suis très content, Culture de Geek. On a retrouvé ton commentaire, c'était un peu le but. Et en plus, t'avais dit que tu ferais une vidéo d'ouverture de notre colis si tu gagnais. Bah, ça tombe bien. Et que tu es soudoyé. Donc, oui, tu nous as soudoyé, mais ça a pas marché. C'est le hasard qui t'a fait gagner. Mais, t'as soudoyé le logiciel. Ah putain, il a soudoyé le randomiseur. Bien joué, mon gars. Le mec, il a bien joué. Donc, je vous invite d'ailleurs à faire un tour sur sa chaîne. Du coup, on fait de la pub, tant qu'à faire. Allons-y. Désolé pour les autres. C'est pas grave. Il y en aura d'autres. Si jamais vous voulez des petites dédicaces, des cartes Pokémon, des cartes Magic dédicacées, des trucs comme ça, ça peut être rigolo. Vous n'hésitez pas, il y a l'adresse, notre adresse qui s'affiche encore ici, là, sous l'écran. Vous nous envoyez une lettre avec, dans cette enveloppe, une enveloppe timbrée avec l'adresse à laquelle vous voulez qu'on vous l'envoie, bien exactement, sûr. Parce qu'on peut pas payer des timbres tout le temps. C'est pas qu'on est radin, mais là, ça ferait trop de timbres. Et vous n'hésitez pas à nous envoyer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une petite photo de vous, ça ferait très 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 plaisir, vraiment. C'est tout bête, mais c'est le plus beau cadeau que vous pourriez nous faire. Bravo encore à toi, Culture de Geek. Et ouais, on vous fait des gros bisous, on est très contents. Désolé aux autres, et puis à une prochaine, et puis à bientôt sur les autres vidéos. Gros bisous tout le monde. Salut. Yeah.